Salut, station fréquence, les mesures 1351 vous tous de la part de Dandy 33 et c'est parti pour le QSO national du canal 27. Voilà, avec et bien ce QSO se fait sur toute la France. Donc petit rappel pour les OM, ce QSO est à la charge de chacun. Donc à chacun d'entre nous pour être motivé, pour le lancer sur chaque région, pour le bien de tous et pour avoir le plaisir de discuter entre nous, entre copains. Voilà. Alors avant de relâcher les micros, la bonne année 2006 et bonne... tout ce qu'on peut souhaiter de mieux, de meilleur, plein de contacts DX, plein de sous, Hachi pour acheter encore plus de matériel. Donc voyons un peu qui c'est qui est en fréquence. En avant les stations. D'abord je voudrais, bon je sais qu'il y a Fabrice qui est là, il y a Belphégor qui est derrière aussi. Alors avant de vous repasser le micro, les stations, je voudrais voir si Coco 33, qui lui a, en espérant qu'il ne se soit pas endormi, est toujours là à attendre. En avant Coco pour le QSO national du canal 27. Attention Coco, Coco 33 qui est sur le secteur de Satrec-Cudzac, le Blayé par là-bas. En avant Coco. Bon, on verra bien. Les bonnes 73, Fabrice, retourne le micro sur toi et puis on verra bien si Coco viendra parmi nous tout à l'heure. Je sais qu'il a, il était là à 7h15, enfin à 19h15. Il a fait un bref passage vers les environs de 20h, mais bon, j'étais en plein gastro-solide. Je ne sais pas s'il a réussi à tenir jusque-là. Je veux dire, s'il ne s'est pas endormi avant, c'est plutôt ça le truc, parce que d'habitude à 7h6, il est déjà au 144. Voilà, retour à toi Fabrice, les bonnes amitiés, bonnes 73, meilleurs voeux, bonne santé et tout et tout et tout. Merci Fabrice pour le micro. Ouais, je dis, ben écoute, bonne année, qui se fait de changer comme à tous, hein. Que tout se passe très bien, et puis surtout au niveau radio, hein, de niveau radio. Oui. Voilà. Enregistrez le break. Si avec mon petit vice qui fait une verticale, petite verticale, j'ai perdu ma liasse, j'ai perdu. Je vais enregistrez Coco, 2 secondes. Dit, mais écoute, ça fait énormément plaisir de t'entendre. Voilà, de nouvelles de la radio, ça fait toujours plaisir. Voilà, je ne sais pas si tu me reçois de là-haut, mais en tout cas, ça fait super plaisir, Rémi, de t'entendre. Voilà, ici du Lot-et-Garonne. QTH, toujours, ça n'a pas bougé, hein. QTH Miramont, opérateur Jean-Marie. Voilà, retour Rémi. Ok Jean-Marie, alors ça y est, nous avons Coco là qui vient d'arriver là sur le QSO. Voilà, donc vu que je sais très bien qu'il va pas tenir bien longtemps parmi nous, je vais lui faire un retour de micro. Alors oui, d'après ce que Monique Grekel vient de me dire à l'instant, j'aurai 10 ans de retard. Hachi, bonne année 2016 et non pas 2006. Bon c'est pas grave, rajeunir un peu de temps en temps ça fait du bien. Alors oui, alors nous avons Coco 33 qui est du côté de la Nationale 137, c'est-à-dire entre Satrec-Cudzac et Blaye. Voilà, il vient d'arriver dans le QSO, donc je vais faire un retour sur lui. En avant, Coco. Oui, Rémi, je ne sais pas si tu m'entends. Voilà, moi, de mon côté, j'ai pas mal de QRM, j'ai beaucoup de QRM de mon côté. Je t'en reçois tout petit. Voilà, bon, ben, les stations derrière, je ne sais pas si m'entendent, je leur envoie toutes mes bonnes amitiés. La station Coco 33, opérateur Jean-Claude, voilà, du côté du Blaye. Ok, merci de m'avoir signalé, Coco. J'avais oublié
d'enclencher la boîte à vitamines. Voilà, là, ça doit passer beaucoup mieux. Ah oui, petite précision, comme à chaque QSO du canal 27 que l'on fait le vendredi soir et samedi soir, cette première demi-heure est filmée. Voilà, dans le but de motiver les autres stations sur les autres régions, là pour lancer également le QSO de ce côté, enfin de QSO sur canal 27. Car Coco, ce QSO n'est pas que régional, il est national. Voilà, donc il y a d'autres régions qui le font également. Je sais que d'après les messages que j'ai vus, il y a le département 77 qui, pas 77, si je crois, du côté du département 77 où ça doit être actif. Bon, il y a comme à chaque fois la Méditerranée. D'ailleurs, pour ton info Coco, le QSO du canal 27 a démarré justement sur le secteur de Arles, là en bas sur la Camargue, à partir, ben, c'est Patrick de la Camargue qui est à l'initiative de ça, et on fait en sorte de le propager sur toute la France. Alors, chaque région se débrouille pour lancer le QSO, et puis les jours où il y a de la propague, eh bien, on essaie de s'attraper d'une région à l'autre pour faire un truc encore plus QRO. Retour Fabrice pour Coco. Ok, bon, Coco, là, mais je l'entends un petit peu décalé, là, par rapport aux autres, un petit peu décalé, mais bon, c'est compréhensible, et je me clarifie sur lui un petit peu, donc il n'y a pas de problème, là. Donc, Coco, là, 73 à toi, là, de l'opérateur Fabrice, de la Dordogne, là, voilà, limitrophe à la Gironde, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Montpont, ou alors après, si tu veux savoir où c'est que ça se trouve, je me trouve à 70 kilomètres de Périgueux, 70 km de la ville de Bordeaux. Voilà. Donc, 73 à toi si tu m'entends. Si tu m'entends pas, je mettrai un peu de confort. Il n'y a pas de problème. Ok, Coco, est-ce que tu as reçu Fabrice ? Oui, affirmatif. J'ai entendu Fabrice. Il m'a payé mon MK, oui. Il n'y a pas de problème. Voilà, mais par contre, je l'entends tout petit. Voilà, tandis que toi, maintenant, Rémi, je t'entends bien. Il n'y a pas de problème. Ça y est, maintenant que t'as mis les vitamines, je m'aperçois que c'est super, voilà. C'est sûr. Mais Fabrice, voilà, je sais pas si tu m'entends bien toi, mais moi je t'entends petit, j'ai du mal à te déchiffrer. Voilà, il y a quelques mots que j'entends, mais j'ai pas mal de QRM. Mais de mon côté, je sais pas pourquoi, là, il y a des QRM pagailles. Voilà. Bon, ben, à toi Rémi. Ok, bon Fabrice, il va falloir que tu mettes un peu de confort. Coco, faudrait que tu remontes un petit peu en fréquence si ça t'est possible, car là on t'entend un peu grave de notre côté. Je vais faire un retour sur Belphégor pour toi Coco, si Belphégor arrive à t'entendre. Vas-y Belphégor pour Coco 33. C'est reçu, merci pour le micro, c'est bon. Par contre, Coco, c'est un décalage en fréquence. Là, je sais, avec Yézou, j'ai vu un peu ce qui se passait. Un petit décalage en fréquence. Tout le monde est décalé en fréquence. Mais ça, c'est pas grave. Voilà, Coco, salutations de Jean-Marie. Jean-Marie, opérateur. Jean-Marie, alias Belphégor, opérateur. Voilà. Sur le 47 département, 47 Lot-et-Garonne. QTH Miramont de Guyenne. Donc voilà, ici tu passes bien, hein, mais c'est simplement un petit décalage en fréquence. Un petit décalage en fréquence, donc ça dépend de ce qu'on utilise. Hein. Voilà, là je suis, par exemple, là je suis sur le 274-75, et voilà. Voilà, c'est tout, mais sinon ça passe bien. Hein. Voilà, retour. Ok Coco, est-ce que tu as reçu Jean-Marie Belphégor qui est au sud, là, sur le département 47? Vas-y. Ok, oui, en plus. Ouais, Coco, est-ce que tu as reçu Belphégor qui est sur le département 47, là, qui vient justement de t'envoyer les bonnes 73 et ainsi de suite? Attention Coco. Oui, Rémi, voilà, donc j'ai changé là, je suis venu sur la base de la côte Caribur, voilà, donc j'ai QRT la maison avant la. Oui, kilomètre l'autre poste qui a
Ok, eh bien, Coco, est-ce que tu peux mettre plus de vitamines? Parce que là, pour le coup, tu as Fabrice, qui est sur le département 24, là, au nord-ouest du département 24, qui n'arrive plus à te sortir. Oui, ça va déjà mieux, oui. Il y a déjà un peu plus de confort. Retour sur Fabrice. Alors, on doit avoir normalement trois autres stations qui doivent se joindre au QSO. NOM qui est sur le départ sur les Charentes. JFK 33 qui doit nous rejoindre aussi. Chameau, s'il arrive à trouver quelques secondes pour venir sur le QSO. Je crois que Jean-Paul n'est pas disponible ce soir, et puis Eric, 14 Victor Echo 27, n'est pas disponible du tout ce soir. C'est ça, Fabrice? Ok, les bandes 73 JFK que j'ai à peine entendu, tu es un petit peu décalé, on t'entend un peu aigu là de notre côté. Ça manque de puissance par contre, si tu pouvais mettre un petit coup de pouce là pour l'ensemble du QSO, ce serait pas mal. Donc JFK, voilà pour te dire où on en est là pour ces premières minutes là de QSO. Alors nous avons, déjà nous le département 33, il y a le département 24, il y a le département 47, plus un OM du département 16 qui est en écoute derrière. Fabrice, ça serait que même s'il nous entend tout petit, qu'il rentre dans le QSO, bien au contraire. On est une équipe de motivés, on veut l'entendre avec nous dans le QSO. Voilà, je veux faire un retour sur toi JFK en espérant que tu puisses mettre un peu plus de sauce de ton côté. Vas-y JFK.
Ok, ben c'est bien dommage que tu puisses pas avoir plus de puissance. Ok, j'ai compris. Oui, oui, c'est vrai, tu m'avais dit tout à l'heure. Là, tu es pas au QRA, mais chez un autre M. Eh bien, ok, ben on est content que tu qu'il entende en même temps le QSO, comme ça, ça va peut-être le motiver un peu plus. Hachi, retour Belphégor pour voir si tu entends JFK qui n'est pas très loin de chez Coco, c'est-à-dire entre Saint-André-de-Cuzac et Blaye, dans les environs. Retour Belphégor. Écoute Rémi, c'est reçu, c'est pas petit, ça. Enfin, c'est pas que c'est petit, je n'entends strictement rien. Après voilà, et comme je t'ai dit, je suis avec une verticale, c'est pas idéal, mais ça ne justifie pas tout. Voilà, donc non, je ne reçois strictement rien. Hein. Moi c'est le. Non, c'est signal 0 intersidéral. Hein. Voilà pour le retour, Rémi. Ok, d'accord. Fabrice, retour de micro pour JFK. Ouais, donc j'entends pas parler, je l'entends pas, hein. Je suis là, je le reçois pas. Mon ami, je reçois bien, il n'y a pas de problème. Coco, il y a un ok, bien sûr. Mais non, mon collègue là, je l'entends pas, je vois rien. Ok, vas-y Fabrice, pour... ok, d'accord, ok. Attends, je suis en train de mélanger les crayons là. Belphégor, bon, il n'arrive pas à te sortir de son côté, voilà. Bon, c'est bien dommage, bon, c'est pas grave. Fabrice, retour de micro pour voir si tu arrives à entendre JFK. Belphégor, JFK n'est pas chez lui là actuellement. Hein. Il est chez un autre OM, donc ce qui lui permet en même temps de voir un petit peu ce que nous faisons là, le vendredi soir et samedi soir sur le canal 27. Voilà, donc on va peut-être arriver à l'agrandir ce QSO au fur et à mesure. Voilà, surtout pour cette nouvelle année. Comme quoi l'année 2016 commence bien. Retour sur Fabrice. Et n'hésite pas à faire entrer l'OM. On aimerait bien compter parmi nous là sur le QSO, là, l'OM des Charentes. Même s'il nous entend petit, c'est pas un problème. On va se débrouiller. Enregistrez le break. Ouais, voilà, ok, le micro, voilà, JFK a relâché le micro. Il y a eu un break en avant le break. Ouais, c'est bon, Rémi, oui, pas de bonne. Mais écoute, c'est plutôt bien, hein, voilà, ici Jean-Marie, du 47, voilà, c'est plutôt très très bien. Voilà, après, voilà, on est un peu près, hein, on est très très loin, là, très très loin du 47 au 33. Ouvre-bas, courrier des WhatsApp. Mais après, ça sera peut-être, après, je vous pose pas dans la tête, mais un sujet de réflexion, hein. Est-ce que, voilà, est-ce que toujours envoyer la bombe, ça c'est une bonne idée. Voilà, c'est un sujet de réflexion, voilà. Et ça c'est pour moi, hein. Retour à Rémi. Ok, ben justement, là, il faut que le nombre de OM augmente. Et tu vois, justement, là, je me répète. Eh bien, tiens, cet après-midi, je me suis déplacé, justement, pour aller voir, et encore une fois, Coco 33, JFK, et on en a discuté. Voilà pourquoi ils sont parmi nous ce soir. Alors, tu vois un petit peu la motivation. Aller-retour, 2 heures de route. Rien que pour ça, pour discuter de tout ça, puis en même temps, se revoir, et ainsi de suite, souhaiter la bonne année. Ils sont beau les chocolats, hein, Coco. Hein. Garde-en pour le prochain coup, hachis.
JFK, t'as loupé quelque chose là quand même. Hein. Là, c'est vrai que t'aurais dû goûter là ces chocolats là. Je suis sûr que tu serais resté plus longtemps. Voilà, retour sur, sur toi, Coco. Deux secondes, il y a un homme qui parle. Ok, oui, il y a eu une autre station qui s'est manifestée. Ok, ouais, bah oui, c'est sûr que d'ici là, les chocolats, il n'y en aura plus. Il y a une autre station qui s'est manifestée. En avant. Ok, Fabrice, il y a quelqu'un d'autre qui s'est manifesté. Toi qui es bien perché, vas-y, fais-le rentrer. Oui, en avant la station, est-ce que des fois ce serait pas Chameau qui ferait une apparition? La station qui s'est manifestée pour l'ensemble du groupe, oui, il y a du monde qui parle, en avant. Ok, est-ce que des fois ce serait pas Florian qui aurait pris le break, qui aurait pris le micro? Oui, j'entends quelqu'un parler là, c'est très très QRP là de mon côté. Peux-tu me revenir à la station s'il te plaît? Attention, la station qui s'est manifestée là pour le groupe en avant. Un tout petit la 73 à vous, là, de l'opérateur Fabrice Dordogne là. Vous pouvez avoir manifesté 73 à vous, bonjour, hein. En avant. Vous êtes chevauchés les gars. C'est très très QRP moi de mon côté, j'arrive à peine à le sortir. C'est vraiment petit, j'ai pas le préamplis là, mais c'est vraiment petit là de mon côté, mais c'est dommage que j'ai pas un préampli de réception parce que ça se voit, on les entendrait derrière. Ok, bon c'est pas grave, il nous reviendra dans le QSO. Il y a JFK là qui nous parlait là, cet après-midi d'antenne directive, d'antenne filaire. Toi Fabrice, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à ce niveau-là sur ce qu'il doit faire, une éventuelle antenne intéressante à prendre? D'un premier temps, là, il parlait d'antenne filaire, l'avantage, l'inconvénient, est-ce que tu aurais quelque chose à lui dire? Pour qui une antenne pour qui là? Pour JFK, c'est ça? Non, JFK, tu m'as dit non? Oui, affirmatif, pour JFK, mais là, ce soir, il n'est pas chez lui, hein. Donc c'est pour ça là qu'il passe pas comme d'habitude. Habituellement, quand il est sur le 19, par exemple, eh bien, il passe déjà plus fort que là, ce soir, au BLU. Donc oui, pour son QRA, qui est pas très loin de chez Coco, justement. Voilà, antenne filaire, antenne directive, qu'est-ce que tu aurais comme conseil ou éventuellement comme modèle à lui suggérer, toi qui connais bien là dans ce domaine? Mais après ça dépend ce qu'il veut faire avec. Si c'est pour faire que du 27, alors s'il veut pas dépenser trop d'argent, il achète une JP27 et ça fera l'affaire. Donc voilà, il la monte à 11 mètres du sol là, et puis voilà, s'il veut vraiment se lancer dans la radio et faire de l'USB et tout ça, il se tourne sur des antennes qui coûtent plus cher. Voilà. Donc après si c'est pour faire juste du local et pour que ça gêne, pour que ça passe. Depuis
quoi, exactement. Ouais, justement, excuse-moi JFK, je reprends les micros. Justement, ça fait déjà quelques années hein, qu'il est sur la module. Voilà, il n'est pas tout neuf là-dessus, il a déjà fait du DX. Non, justement, il est déjà équipé fixe et mobile. Voilà, et sa question, justement, le sujet de conversation qu'on avait cet après-midi, c'était orienté vraiment sur antenne filaire ou éventuellement directive. Voilà, mais côté vertical, il a déjà ce qu'il faut. Hein. Voilà, mais le mieux, directive, hein. Ah ouais, le mieux pour faire vraiment du bon boulot, moi je lui dis, ça serait la directive. Hein. Soit deux éléments pour commencer, ou alors directement la 3 ou la 4 éléments, là. Voilà, le mieux, je pense que c'est ça. Hein. Je confirme à faire ça. Ok, JFK, est-ce que tu as entendu? Bon, JFK, vivement que tu sois chez toi, parce que là, ça passe radio cacahuète, là. J'ai l'impression que c'est même en train de baisser, parce que là, je t'ai pratiquement perdu. Donc, je suppose que Fabrice, ça doit être pareil. Fabrice, tu as réussi à le sortir? Non, c'est devenu trop QRP de ton côté. Ah, pour moi, c'est petit, hein. J'ai même mis un peu plus de confort là, pour lui, là. Donc, j'ai même monté d'un cran de plus, là. Donc, je sais pas comment ça passe de son côté ou de ton côté, là. Donc, on plus fort, je pense. Mais, mais après, oui, voilà. Donc, il se retourne sur une directive des éléments, là, une HP9CV, là. Ou alors, après, une directive 3 éléments, voilà, ça va aussi bien, quoi. Hein. Ah putain, là j'ai pas réussi à comprendre quoi que ce soit. C'est Coco, si tu es toujours parmi nous, est-ce que tu peux faire le QSP s'il te plaît? Attends, j'ai un truc à dire. Ouais, ou alors une directive 4 éléments, 6 mains. Voilà. J'adore le A putain. Ça c'est pas bon. Ah ben on fait de la radio, on n'en fait pas, hein. C'est trop fort. Voilà, allez, dis-lui, alors après, qu'il prend, sinon, ce que je viens de recevoir un petit message, là, qui marche pas trop mal, là, je viens d'avoir un petit message, une 4 éléments Sigma, voilà. Ça marche pas trop mal en directive. Ok, JFK, est-ce que tu as entendu Fabrice ce qu'il t'a dit, une 4 éléments Sigma? Ah, j'ai entendu plus. Coco, t'es toujours parmi nous? Ah, la vidéo va s'arrêter. Nous, on continue. On continue. Là, et c'est en train de parler. Hein. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Bon, mais Rémi, je ne sais pas si tu l'as entendu, voilà. Donc, JFK, il est un collègue à lui, voilà. Comme il est invité, il est en train de faire un bien trop solide. Voilà, il peut prendre avec le micro et la fourchette. Il tient la fourchette d'un côté, le couteau de l'autre, il ne peut pas tenir le micro. Ok, du moment qu'il arrive à comprendre que c'est pas dans la fourchette qu'il faut parler, mais dans le micro, ça devrait le faire. Et je suppose qu'il y a le liquide. Et le liquide, c'est pas dans le micro qu'il faut le mettre non plus. Ah, si. Ok, je vais essayer d'aller. Yeah.
Bon, ok. Fabrice, es-tu toujours la station là, du 16? Moi, j'aimerais bien moi qu'il rentre là, dans le QVSO. Hein. Ok, bon, allez, non, ben, je vais pas insister plus, parce que pour le coup, je risque de me saouler, ouais. Il va finir par me trouver, comment ils disent là-bas au Québec, casse-pompe, voilà, non, j'aurais pas qu'à en arriver là, quoi. Bon, de mon côté, de toute façon, là, je peux pas faire plus, hein. Voilà, là, je suis au maximum, j'ai la ventilation qui est en route. Oh oui, putain, ça se voit, parce que là, pour le coup, j'ai un tissu, là, qui est juste derrière la station. Il est en train de battre au vent, donc. Ok, ok, voilà. Donc, voilà, il m'a marqué la prochaine fois, là, quand ils ont remonté les aériens comme il faut. Donc, voilà. Donc, la prochaine fois, il modulera, il essaiera, et quand ils ont remonté les aériens, là, voilà. Et comme il a monté, mais en vitesse, donc, du coup, tu sais, c'est pas évident, hein, quand... Ok, eh bien, Belphégor, depuis le dernier QSO, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là de ton côté? Ah oui, le dernier coup que j'étais en QSO, bon, c'est vrai que là, depuis un mois, là, j'ai pas pu faire quoi que ce soit, pour diverses raisons, et en particulier le pro. Sur le dernier QSO que j'ai fait, du coup, là, je m'étais mis en voie d'expédition. Là, j'étais avec la remorque sur une colline, le groupe électrogène, dans le noir complet. Là, j'étais bien là-haut. Mais bon, hélas, le QSO s'est pas passé comme j'aurais voulu. Pour le coup, tout le monde était occupé de son côté. J'ai fait le QSO avec Florian de Coutras. D'ailleurs, c'est bien dommage qu'il ne soit pas avec nous ce soir, ça aurait fait encore une station en plus. Oui, Belphégor, alors depuis la dernière fois qu'on s'est eu en fréquence, qu'est-ce qu'il y a de nouveau de ton côté? Là, au niveau de la station, je veux dire. Monsieur Rémi, merci de m'avoir passé le micro. Oui, effectivement, je suis derrière dans le département 47. Oui, je t'écoute et je vous écoute. Et bien, des nouveautés, oui, il y en a plein. C'est ça qu'il faut dire. Plein, voilà. Ici, au niveau 47, voilà, bon, moi je suis SWL, donc pas radio-radar. Mais par contre, voilà, au niveau SSTD, voilà, beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Ici, voilà, je ne sais pas si c'est moi, peu importe, c'est pas le problème. Initié, voilà, beaucoup de SSTD, je répète, SSTD, donc SSTD c'est quoi? Pour les néophytes, c'est quoi? C'est de la, de l'image qu'on envoie par la radio, voilà. Donc SSTD, donc très accessible, pas cher, voilà. Très accessible, pas cher. Voilà, je suis devenu adepte de ce petit truc de communication très très bien. Donc ça me permet d'avoir des contacts et en réception et en émission. En réception, ça rien à faire. Voilà, tu attends que ça se passe. Et en émission, mais voilà, après tu fais ce que tu veux. Donc voilà, à ce niveau-là. Et après, une activité au niveau du 47, HF, BHF, voilà, un petit QSO qui s'est installé le soir, le jeudi 3, voilà, QSO de UHF, UHF, voilà. Voilà pour ceux qui sont, les PMR et voilà, et donc une bonne activité sur
47, voilà, retour Rémi. Ok, attends deux secondes, laisse un blanc pour voir. J'ai entendu un autre QSO là apparemment qui est sur une autre région là qui est vraiment dans le fin fond très très QRP, donc ça marche bien ce soir. Ok, bien reçu, il n'y a qu'au moment où tu as relâché le micro, Belfegor, là que j'ai entendu ce QSO là derrière. Ok, d'accord, donc là t'as réussi à lancer là un truc là qui intéresse pas mal de monde là de ton côté. Quel genre je suis en train de chercher comment poser ma question. Comment ça se passe un petit peu là pour cet envoi d'images là en SSTV? Voilà, c'est bon, je sais un petit peu, hein, j'ai un petit peu vu moi pour ma part sur internet, hein, c'est surtout là pour les écouteurs. Écoute, Rémi, c'est pas très compliqué en fait, hein. Voilà, s'il y a des décodeurs sur le coup, bon, par contre, il y a des bandes de fréquences dédiées, hein, donc la bande de fréquence dédiée pour les radios amateurs au AWL, c'est la 27-700, je répète, 27-700, voilà, ça c'est réservé en USB, je répète, 27-700 USB. Ça, ce sont pour l'émission réservée à l'émission de SSTV. SSTV, c'est simplement une émission radio où tu envoies une image. Voilà. Donc je répète, 27-700 à USB. Je répète, USB. Où tu envoies une émission radio qui permet d'avoir un émetteur-récepteur. Radio, voilà. Donc le mieux c'est d'avoir une signal link, bon ça c'est, voilà, après je rentre dans les détails, mais c'est une activité très sympa, voilà, donc moi je, voilà, si ça avait fait, voilà, je fais un retour, Rémi. D'accord, ok. Alors là, j'ai besoin d'une petite autorisation. Est-ce que tu permets que ton explication, là, que tu viens de donner à l'instant, soit filmée ou supprimée? Voilà, parce que bon, là on est dans du domaine technique, c'était pour ça que je voulais avoir ton autorisation malgré tout, car le QSO de ce soir est quand même pas mal intéressant. On a deux nouvelles stations, là, deux anciens cibistes qu'on compte parmi nous dans le QSO, plus une autre station qui est en RX là, des Charentes. Donc là, c'est quand même assez intéressant, ce qui nous permet justement de pouvoir en même temps parler un peu technique et tout, et faire tourner un petit peu sur tout le monde. La petite question qui suit avec ça, qui va bien avec ça, c'est faut-il une antenne spéciale pour ce type de transmission? Pas du tout. Là, je fonctionne avec mon antenne actuelle, ma antenne 27 mégas. Du moment que tu es avec l'antenne 27 mégas, tu n'as pas de soucis. Moi, ce que je suggère, alors attention, je n'ai aucune action là-dessus, c'est l'achat de signal link, voilà, ça s'appelle signal link, après les photos sans risque, vous les procurera. Voilà, qui vous permet de faire une interface entre votre PC et votre radio. Et après, voilà, vous envoyez tout ce que là. Moi, personnellement, voilà, c'est juste, c'est pas pour faire je fais pas le kéké, loin de là, hein. Mais voilà, j'ai fait toute l'Europe, Allemagne, Hollande, voire des pays du Nord, Danemark, autre. Dernièrement, la Roumanie, voilà, ça va se faire un petit peu, ça fait qu'il y a 2000 voire 3000 kilomètres, et puis en SSTV, c'est pareil, le Mexique. Le Mexique, sans hasard, mais j'étais le Mexique. Donc voilà. Photo à la petite. Voilà pour la petite présentation SSTV. Mais tiens, pas d'antenne particulière. Hein. Non, loin de là. Hein.
Ok, voilà, je vais laisser un petit blanc pour voir s'il va y avoir un autre break. Hein. Ok, d'accord, eh ben pour la Roumanie, eh ben l'année dernière, je l'ai fait, mais en folie. C'est vrai que j'avais un petit peu... J'étais en mode expédition, en haut de chez moi. Voilà, l'antenne plantée dans la remorque, comme tu as pu voir les photos là sur Internet, et puis en avant-roule. Voilà, la table de camping, ouais, ce jour-là, j'avais fait la totale, le groupe électrogène, l'antenne de la remorque, la table de camping, et puis c'était parti, et je crois que ce jour-là, après la propague, j'avais tourné côté Québec, voilà, c'est ça. De ton côté, au niveau technique, au niveau matériel, au niveau antenne, combien d'antennes as-tu là, as-tu chez toi? Enregistrer le break. On n'entend plus. Enregistrez le break. Ouais, c'est maintenant que je viens de réaliser que je croyais que c'était un break. Il y a Chameau qui a breaké aussi, il y a encore un autre OM qui lui limite Dordogne côté département 33, là qui est en attente derrière. Les 73 Chameau, je te fais attendre quelques instants, là quelques secondes. Alors les 88 l'YL, voilà, de la part de Dandy 33 en station fixe sur Sainte-Colombe entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille, en compagnie de Fabrice, qui est sur le nord-ouest du département 24, de Belfegger Jean-Marie, qui est sur le département 47, de Chameau, qui est en attente derrière. Alors on est 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, allez, 5 et demi, on est 5 et demi en QSO là. Il nous manque deux autres stations pour ce soir, c'est-à-dire Jean-Paul et Eric, 14, 8, Eco 27. Et bon, pour ils n'ont pas pu être disponibles pour ce soir, mais bon, le QSO est là, et c'est tout. Et on fait en sorte que ce soit comme ça tous les vendredis soirs et samedis soirs, suivant les disponibilités de chacun. Donc, 88, madame, retour des micros. Retour des micros à qui ? À la dame qui vient de parler. Ok, merci pour le retour. Je ne vais pas faire patienter plus longtemps car je sais qu'il y a du monde chez lui. Chameau, retour du micro, les bandes 73 à côté à toi. Donc là, il y a le département 16 qui est en écoute derrière.
Il nous écoute, mais bon, ça passe très très petit, donc il reste en écoute. Alors, bon, il y a Fabrice sur le département 24, il y a Belphégor sur le département 47, et on a JFK et Coco qui sont également avec nous, que je suis allé voir cet après-midi. Voilà, Hachim, retour chameau, les bonnes 113. Le break, je crois que c'est Belphégor. Ok, Fabrice, tu as dû l'entendre, je suis pas sûr que Belphégor arrive à te sortir. Retour sur toi, Fabrice, pour Chameau. Flojag, il est pas loin, presque limite du département 24, c'est-à-dire après Castillon-la-Bataille, c'est quoi? C'est rive gauche. Rive gauche de la Dordogne. Affirmatif, il passe très très bien. Oui, donc, ok, désolé de ta version modulée, Chameau. Chameau se trouve sur Flojag, et c'est après Castillon-la-Bataille, pas très loin du département 24, sur la rive gauche de la Dordogne. Ok, Belphégor, est-ce que tu m'as entendu? Eh bien, Jean-Marie, c'est Belphégor, c'est la même personne. Hachi, il est tout seul dans sa tête, il n'est pas comme toi, ils sont pas plusieurs. Ah bon, d'accord, ok, j'avais pas suivi, 73 à ce moment, d'accord. Arrête de fumer la banquette, engueulé. Ah, mais tout le monde ne passe dessus, il y a un chameau qui veut m'envoyer ses salutations, que je renvoie d'ailleurs. Ah non, mais on se chevauche tous, c'est ça le problème.
Et c'est ça le problème de l'hôpital, ça. Voilà, Rémi, oui. Là, j'étais en QSO, petit QSO, QSO avec Chamon, là, qui m'entendait. Et il voulait me faire ses salutations. Mais seulement le problème, c'est qu'il y a tout le monde qui passe dessus. Donc, le pauvre, il n'arrive pas. Voilà. Retour, Chamon, si tu as le retour. Oui, j'ai le retour, Je ne sais pas si toi tu me reçois, Ah ben c'est très très petit chez moi. Il y a un autre QSO sous l'arrière. Je te sens juste au niveau du ciel, mais c'est très très petit, hein, très chaud. Retour, Chamon. Et donc je te disais là, tu me reçois bien là? Ah oui, je ne suis pas là, c'est pas non plus du tout confort, mais bon, je te reçois. Bon d'accord, ok, mais les bonnes se sont très contentes là. Et du 47 qui était à Chaviramont, du département 47, Ok, voilà, et en même temps, tu vois, là, entre deux blancs, j'étais en train d'écouter en même temps les stations là, qu'on entend dans le lointain en QSO. Fabrice, tu les entends aussi? Là, on n'est pas tout seul ce soir. Hein. Loin de là, il y a le sud-ouest, mais on entend d'autres OM là derrière dans le lointain. Retour Fabrice. Ah, je t'ai mal entendu là, Belphégor, là, ce coup-ci, là. Ah, je disais simplement que dans l'esprit radio, il faut laisser aussi de la place à ceux qui n'ont pas de puissance. Eh oui, je sais bien, mais tu vois, là, c'est vrai qu'il y a l'excitation là qui est là de se retrouver là tous ensemble là, en fréquence, et c'est vrai que c'est un gros défaut ça. Ok, je vais laisser un blanc là, pendant quelques secondes pour voir si une station là qui voudrait breaker. Non mais c'est vrai, t'as raison, Belphégor, de le préciser. Hein. On laisse jamais assez de blancs là pour voir s'il y a du monde là qui veut rentrer. Là. Alors, j'allais dire en avant les blancs. Hein. En avant les stations pour le QSO national du canal 27. Allez-y. Ah ben pour le coup, j'entends plus personne. Ah ben pour le coup, j'entends plus personne de mon côté là. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, ouais, faut comprendre aussi, voilà, nous on a le matos, voilà, après, voilà, tout est, voilà, on n'est pas tout seul à envoyer 300 watts, quoi, et venir le QSO, et à la base, c'est pour ça, ben, je pense, Rémi, tu me dis, voilà, si on envoie tous 300 watts, droite à gauche, le pauvre gars qui veut moduler, il n'y aura personne, quoi, il faut ça que, Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que, bah, disons que, on est quand même, attends, voilà, je remets la soufflerie en route, hein. On est quand même loin les uns des autres, hein. On a la chance de pouvoir s'attraper en fréquence, et c'est vrai que là, c'est les stations qui ont juste la puissance du poste, quoique, et Chameau, quoi qu'on en dise, il a que la puissance du poste aussi, hein, et il cartonne quand même. Heureusement que qu'il a une bonne antenne. Je sais pas qui c'est qui lui a trouvé cette antenne, mais elle marche bien. Hachi trois coups. Là, mais c'est vrai que c'est pas évident là d'arriver. Et t'as pas que j'y pense.
une fois, on a eu quelqu'un là sur les dans Saint-Émilion même, un mobile. Je sais pas ce qu'il est devenu, j'ai pas une nouvelle. Bon, c'est pas grave. Ah oui, mais zut, là on est en train de laisser de côté là en même temps la Coco 33 JFK. Retour Coco. On parlait d'aérien. Qu'est-ce que tu as parmi les antennes que tu as? Car quelle est celle que tu préfères, que tu as envie de conseiller à un novice? Ok, là tu as la comment ça s'appelle, la verticale avec la croix en haut et le cerceau inversé, je sais plus son nom, c'est une BT je crois, je sais plus quoi. Qu'est-ce que tu en penses de celle-ci, car elle est pas très longue. D'accord, ok. Ouais, donc il n'y a pas de pétard, vaut mieux avoir une antenne qui soit suffisamment longue. Voilà, ok, j'ai entendu Chameau dire enregistrer le break. Retour sur toi, Chameau, pour faire rentrer le break. Oui, j'ai entendu un break, exact, oui. Donc, à vous le break que j'ai entendu. Ça va pas bien, Chameau, oui. Ah, j'ai entendu Chameau, pardon, c'est qui là? Chameau qui passe bien ici du 47, je répète. Chameau qui passe bien ici du 47, reçu.